Je suis actuellement dans ma maison et aujourd'hui un tout nouveau monstre a été découvert. Il s'agit de Skibidi Toilette. Alors là tu te demandes mais qui est Skibidi Toilette? C'est tout simplement un homme qui danse sur les toilettes avec sa tête. Regardez-moi ça, c'est complètement effrayant. Il bouge sa tête partout sur les toilettes. Enfin bref, c'est un très grand mystère et je ne sais pas de où il sort. Mais aujourd'hui McDonald's a fait une collaboration avec ce même Skibidi Toilette, ce qui donne donc les Happy Meal de Skibidi Toilette. Mais vous savez quoi, juste avant qu'on les commande, je vous propose qu'on aille vite fait faire un tour dans mes toilettes puisqu'il est possible qu'il soit dedans. Donc on y va, c'est parti, suivez-moi. En plus je tiens quand même à rappeler qu'il est déjà 3h du matin, ce qui veut dire qu'il pourrait arriver à n'importe quel moment. On y va, c'est parti, on va regarder. Ok, bon, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle, Skibidi Toilette n'est pas dedans. On va vérifier ses toilettes pendant tout le long de cette vidéo puisque Skibidi pourrait arriver à n'importe quel moment. Il est maintenant temps qu'on commande 2 Happy Meal. Et comme vous pouvez le voir, je suis sur l'application McDonald's et c'est parti. Alors qu'est-ce que je vais choisir? Je vous propose qu'on choisisse, ok, alors on a carrément un Happy Meal Skibidi. Allez c'est parti, on va en prendre directement 2. Je vais en prendre un avec un cheeseburger, l'autre avec un McFish. Et on va évidemment prendre les jouets mystères. J'ai vraiment hâte que cette commande arrive. Et puis vu qu'il est bientôt 3h du matin, je sens que ça va être une dinguerie. Et pour découvrir le contenu de ces 2 Happy Meal, il faut tout de suite que tu mettes un pouce bleu et que tu cliques sur le bouton s'abonner. Ou sinon Skibidi Toilette va t'attaquer ce soir. Ok. What? Attendez, ça vient de sonner je crois là par contre. Ok bon les amis, je pense que peut-être que la commande est arrivée. En même temps je commençais à bien m'ennuyer là, je regardais toutes les vidéos de Skibidi Toilette. Allez on y va, je sais pas ce qui se passe mais en tout cas ça vient vraiment de sonner à la porte. On y va les potes, évidemment faire attention, 3h du matin veut dire que ça peut être même un monstre qui est là. On y va, c'est parti, j'ai un petit peu peur. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bah what? Mais y a personne, attendez, venez on va voir un petit peu. On va essayer de regarder un petit peu autour. Mais what? Mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que rien n'est arrivé. Oh, ah mais ok, ah mais si. Regardez, je crois que le Happy Meal est juste là. Et d'ailleurs, je crois qu'on a même un petit jouet qui a été mis à côté. Ça qui est bien bien lourd. Et j'ai l'impression qu'on a 2 Happy Meal. Mais d'ailleurs, attendez. Mais regardez ça. Ah, évidemment, pour nous rappeler que c'est Skibidi Toilette, on nous a fourni 2 petits rouleaux de papier toilette. Voilà, ok, bon, ils sentent pas très bon. On va mettre ça de côté. Et maintenant, on va vérifier un petit peu ces 2 Happy Meal. Hop là, les voici, les voilà. Waouh, ok. Alors, comme vous l'avez remarqué, je crois bien qu'il y en a 2 qui sont un petit peu différents. On a le Happy Meal de Skibidi Toilette, tout à fait normal, juste ici. Mais on a aussi le Happy Meal de Skibidi Toilette de l'horreur, avec tout plein de sang tout autour. Enfin bref, il est très, très, très effrayant. Ces 2 Happy Meal, nous allons les déguster durant la vidéo. Et je sens que ça va être terrifiant. On va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. On a évidemment les 2 boissons des Skibidi Toilettes. On a d'ailleurs, oula, ok, bon, une potion, on gardera ça pour la fin de cette vidéo. Mais attendez les potes, j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres trucs et... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégoûtant. On dirait un sachet qui est rempli de terre ou... Oh, j'espère que c'est de la terre et que ce n'est pas autre chose parce qu'au vu de la couleur, c'est vraiment bizarre. Ah, c'est dégoûtant. Bon, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Ok, bon, je pense que ça, ce sera pour le dessert. Et évidemment, on a aussi des jouets. Nous sommes donc, eh bien, devant nos 2 Happy Meal et je vous propose que dès maintenant on commence avec ce premier Happy Meal. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est donc la version Skibidi Toilette normale et on continuera la vidéo avec le Happy Meal de Skibidi Toilette horreur qui m'a l'air très 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 terrifiant. C'est parti, découvrons un petit peu le contenu de ce Happy Meal. On l'ouvre les potes et je vais évidemment vous montrer le contenu. 3, 2, 1, boum. Ok, alors je vois pas encore tout à fait ce qu'il y a. On va regarder et ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ouvre déjà la commande et on peut le voir, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte de papier toilette avec du pipi je crois. Wow, c'est dégoûtant, mais qu'est-ce que ça fait là-dedans? On a donc maintenant accès au menu et je crois bien que pour aujourd'hui il s'agit donc eh bien d'un burger et de frites. Mais les potes, dans les frites j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre là. On va tout mettre dans une assiette et découvrir le contenu un par un, mais c'est déjà vraiment bizarre. Je pense que vous l'avez remarqué mais les frites n'ont pas une couleur habituelle. Et attendez, mais what? On a aussi été fourni d'un œuf. What? Attendez mais les potes, il y avait vraiment ça dans des Happy Meal? Bon, on va goûter ça pour voir. Oula, oh, ah, ça a un goût de pourri les gars. Je crois que l'œuf il est peut-être un petit peu passé puisque là il est plus très... Ah ouais non, il est vraiment plus très bon. Écoutez, vous savez quoi, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que pourrait valoir ces frites. Mais d'ailleurs on peut le voir que la couleur aussi de ces frites est assez bizarre, jaune et tout. Enfin, j'avais jamais vu ça auparavant. Allez c'est parti, dégustons 2 petites frites de Skibidi Toilette. Je sais pas du tout le goût que ça pourrait avoir mais allez let's go. Oh, ah mais les potes, j'ai l'impression que le jaune de ces frites c'est peut-être du... Oh. Ah je sais pas ce que c'est mais ça a l'air d'être un petit peu pourri. Bon écoutez, il reste maintenant le plat de résistance. Évidemment le burger. Allez on l'ouvre, 3, 2, 1. Ah,
Mais c'est quoi qui a été mis là-dedans? On dirait des insectes, je crois. En effet, les gars, je crois que des petits cafards se sont introduits dans mon burger. Oh, c'est dégoûtant. Allez, on va enlever ça parce que j'ai pas envie de manger un burger en cafard. Maintenant, on a donc du coup le burger normal. Mais par contre, je crois que on a été bien fourni en fromage, puisque là, j'ai l'impression qu'il y a d'ailleurs 3 couches de fromage. On va faire un petit croc. Je pense que ce burger Skibidi Toilette pourrait être pas mal. Allez, c'est parti, on y va. 3, 2, 1... Oh ouais, oh, ça a un très bon goût de fromage. Ah, c'est très très gras par contre. Je pense que les potes Skibidi Toilette adorent le fromage, parce que là, on a vraiment une belle couche de fromage, comme vous le voyez. En tout cas, ce menu était pas mal. Il était un petit peu piégé, comme on peut le voir avec ce papier, mais aussi avec cet œuf pourri et ces petits cafards qui traînaient partout. Pour ce qui est de ce Happy Meal, je mettrai la note de 5 sur 10, parce que je pense qu'on a déjà fait des meilleurs Happy Meal. Mais c'est pas fini, puisque nous avons aussi la boisson. Et allez, c'est parti, ouvrons-la. Allez, let's go. Ah, qu'est-ce que c'est que cette couleur de boisson? Vous avez déjà vu un truc pareil? Oula! Ça sent vraiment pas bon. J'ai très très peur pour le goût que pourrait avoir cette boisson. Mais au vu de la couleur, les potes, je pense que vous vous êtes peut-être rendu compte que... Bon, vous savez quoi? On va goûter. Allez, c'est parti. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce goût de... Ah, ah non! Eh les gars, c'est la pire boisson que j'ai jamais goûtée de ma vie. Ah, ça me dégoûte. Allez, venez, on va tout de suite mettre ça dans la vaisselle. Ah, c'est vraiment horrible, les potes. Ah, dégoûtant. En même temps, regardez la couleur que ça a. Ça se voit clairement que c'est une sorte de pipi, les gars. Écoutez, ça me dégoûte. On va acheter ce burger aussi. Et... Oh les gars, vous entendez? Mais c'est clairement le bruit de Skibidi Toilette. On l'a entendu là, le Skibidi Bob Bob. On va aller vérifier quand même au cas où. Extrêmement bizarre, c'est maintenant la deuxième fois qu'on entend ce bruit retentir dans la maison. Et là, je crois bien que c'est en direction des toilettes. Mais évidemment, avant qu'on y aille, on m'a offert une arme. Alors, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec cette arme là, mais en tout cas, voici le cadeau McDonald's qu'on a gagné. Allez, c'est parti. Skibidi Toilette, tu n'as qu'à bien te tenir. J'ai très peur de ce que ça peut donner, mais au moins maintenant, je suis armé. 3, 2, 1. Hop, hop, hop. Ouais. Ok, bon, les bottes, je crois que Skibidi Toilette a disparu. En tout cas, on l'avait entendu. Bon, au cas où, on sait jamais, je vais quand même tirer la chasse. Et hop là, voilà. Comme ça, là, les potes, on est sûr. Skibidi Toilette ne viendra pas. Je vais d'ailleurs laisser ça ici. Comme ça, si jamais la ventouse se met à bouger ou qu'elle n'est plus ici, ça veut dire que Skibidi Toilette est venu. On a maintenant le second Happy Meal. Et évidemment, je pense que vous avez tous attendu cet Happy Meal. Le Happy Meal de Skibidi Toilette version horreur. On peut le voir rien qu'ici. Il y a du sang partout. Et ses yeux sont d'ailleurs ensanglanté, on dirait bien qu'il pleure du sang. Avant qu'on découvre le contenu, regardez ce qui a été laissé dans le sachet McDonald's. Encore du papier toilette, des mouchoirs qui servaient bien à s'essuyer. Oh, ok, bon. Tout est vraiment avec des odeurs bizarres. D'ailleurs, je vais en prendre un petit peu parce que là, voilà, je pense que je suis un peu sale. On a utilisé le papier toilette de Skibidi Toilette. Franchement, c'est incroyable. Et on goûtera évidemment cette boisson juste après. J'ai bien peur que cette boisson me transforme en Skibidi Toilette ou quoi. Bon, bref, on verra ça juste après. Il est l'heure de passer à la pimille. Qu'est-ce que nous avons dedans? Ah! Ah! What? Mais attendez, mais je rêve ou c'est vraiment ce que je pense? Je crois que les potes, il s'agit d'une sorte de mouchoir rempli de sang. Bon, en même temps, c'est clairement un monstre Skibidi Toilette. Donc là, je pense que je comprends pourquoi est-ce qu'il y a du sang. On va quand même regarder le reste de la boîte. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a un McFish, comme je l'avais demandé. D'ailleurs, on peut voir que la couleur est un peu bizarre. Ça m'inspire vraiment pas confiance. Et nous avons aussi des frites. D'ailleurs, les frites ont peut-être eu aussi un petit souci, puisque regardez la couleur. Ah, what? Vous avez vu un petit peu la couleur que ça a? Les frites sont encore une fois remplies de sang. Et même le burger. Attendez, oula. Par contre, là, le burger a l'air d'être vraiment bizarre. Parce que là, on a le pain qui est avec du sang. On a aussi le fish rempli de sang. Mais je crois que... Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Skibidi Toilette a laissé un mouchoir rempli de sang dans le burger. Ah, on va mettre ça à la poubelle. Là, franchement, avec tout ce que je viens de voir, ça me donne vraiment pas envie de manger. Mais les potes, évidemment, vous le savez, je suis obligé de choisir les frites qui ont le moins de sang. Donc je pense que ces deux-là sont pas trop mal. On va y aller. Ok, ok, goût bizarre. Oh, un goût un peu ensanglanté. Et on tape un croc. Oh, oh mon dieu, les potes. Oh, oh les amis, le goût est horrible. J'espère qu'un petit peu de boisson pourrait me faire le plus grand bien. What? Mais même la boisson, elle est piégée. On dirait que c'est clairement du sang. Ça peut qu'aller mieux, les potes, parce que là, je vais vraiment pas bien.
Ah, eh les amis, si vous voulez un conseil, ne mangez surtout pas les Happy Meal de Skibidi Toilette. Il reste par contre deux produits, je crois bien. Regardez, bon, là on a un petit peu toute la poubelle et tout. Il y avait ce truc dégoûtant d'ailleurs dans les commentaires. Je veux que vous me disiez tous qu'est-ce que c'est, parce que ça me répugne. Et d'ailleurs, attendez, waouh. Par contre là, on a clairement un petit truc. Je crois qu'il s'agit du dessert. Let's go les gars. What? Mais les amis, je rêve où pour une fois, on a peut-être un produit qui est intéressant. On dirait une sorte de cookie. Les gars, attendez, je vais l'ouvrir à l'intérieur. Waouh! Alors là, les gars, je suis choqué parce que pour une fois, on a un cookie rempli de chocolat. Il s'agit quand même de Skibidi Toilette, donc j'espère que ça c'est du chocolat. Dans les commentaires, dites-moi, à votre avis, est-ce que c'est du chocolat ou est-ce que c'est autre chose qu'on nous a laissé dans le cookie? J'espère en tout cas que c'est quand même du chocolat, les potes. Mais on y va. Allez, on tape un croc là-dedans. C'est parti. Oh, oh, les gars, je crois que c'était pas du tout du chocolat. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, c'est vraiment horrible, les gars, mais il faut absolument que j'aille aux toilettes, là, c'est dégoûtant. Ah, ah. Attendez, mais les gars, je rêve où la ventouse qu'il y avait juste là, elle a complètement disparu. Ça veut dire que Skibidi Toilette est sorti d'ici et qu'il est actuellement dans ma maison. Les gars, what, vous entendez? Regardez ça, Skibidi Toilette est dans ma maison, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Oh mon dieu. Oh là, je suis vraiment super inquiet, les potes, c'est complètement horrible. Il faut tout de suite que tu mettes un pouce bleu et que tu cliques sur le bouton s'abonner ou Skibidi Toilette va t'attaquer chez toi.